Félicitations! Maintenant, regardons ensemble le mode d'utilisation ainsi que l'entretien de votre Sirena. Le système inclut. Le système Sirena comprend un réservoir d'eau, un chariot, un tuyau courbé, un tuyau extensible non électrique, un boyau non électrique, une brosse à plancher, un accessoire pour les feintes et endroits difficiles, une brosse à épousseter, une brosse rectangulaire, un accessoire pour gonfler, une brosse de nettoyage avec l'outil de séparation. La trousse électrique comprend le rouleau motorisé pour les tapis, le tuyau extensible électrique et le boyau électrique. Comment utiliser votre Sirena? Tout d'abord, commencez par remplir le réservoir. Ajoutez de l'eau uniquement jusqu'à la ligne de remplissage minimum. Ensuite, ajoutez parfum ou déodorant si désiré et rappelez-vous que le dernier ingrédient ajouté est aussi le premier à sortir. Maintenant, placez la base Sirena sur le réservoir. Sécurisez les deux attaches comme ceci. Vous êtes maintenant prêt à commencer. Pour bien sécuriser la base à son chariot, alignez la fente sur le chariot avec l'onglet sur votre Sirena. Ensuite, simplement laissez glisser la base Sirena jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, indiquant qu'elle est bien verrouillée en place. La base peut être tirée en appuyant sur la pédale à l'arrière. Sirena possède deux vitesses, une élevée pour un nettoyage maximum et une plus lente pour un nettoyage de l'air en profondeur. Assemblage de votre trousse électrique. Commencez par attacher le tuyau extensible électrique au rouleau motorisé pour les tapis. Vous entendrez un déclic lorsqu'il est correctement mis en place. Ensuite, verrouillez le tuyau à la verticale et insérez le fil électrique comme ceci. N'oubliez pas de laisser un peu de fil supplémentaire sur le dessus afin de pouvoir étirer le tuyau. Il y a un bouton sur le boyau électrique. Lorsque ce dernier est mis en place correctement, il verrouillera la poignée au boyau. Maintenant, branchez le fil électrique à la poignée. Le rouleau motorisé est activé à l'aide de la poignée gâchette pour faciliter son utilisation. Pour utiliser le rouleau motorisé, retirez le couvercle de réduction du bruit. Vous remarquerez la porte coulissante. La fiche doit être insérée en soulevant la porte coulissante. Ensuite, ajustez la hauteur de la poignée selon votre goût et celle du rouleau en fonction du tapis à nettoyer. Ramassez les déchets humides. Utilisez seulement le boyau non électrique pour le ramassage de déchets humides. Commencez avec un réservoir vide. Attachez le boyau ainsi que le tuyau courbé. Ensuite, alignez le bouton avec la rainure et enfilez la brosse rectangulaire pour le meuble. Retirez la brosse pour une efficacité accrue. Les accessoires Sirena. Tous les accessoires peuvent être attachés à n'importe quel tuyau. Il suffit d'enfiler et tourner pour verrouiller. Retirez en appuyant sur le bouton. Tous les accessoires sont conçus de cette façon. Augmentez la portée de votre aspirateur en utilisant le tuyau extensible et ajustez-le selon vos besoins. Tous les accessoires s'adaptent aussi bien au tuyau extensible. Portée accrue. Pour étendre la portée de Sirena au maximum, combinez les tuyaux.
Joignez-les ensemble et allongez au besoin. Atteignez une distance de plus de 12 pieds. Rangement des accessoires. Rangez facilement tous vos accessoires sur le chariot. Ayez toujours sous la main l'accessoire optimal à chaque instant. Accessoires pour gonfler. Utilisez-le à l'aide du boyau non électrique. Retirez le couvercle du filtre EPA et attachez le boyau à la sortie d'air. Placez l'accessoire pour gonfler sur le tuyau courbé et gonflez. Entretien du réservoir. Nettoyez votre réservoir après chaque utilisation. Videz le réservoir et utilisez un détergent doux ainsi qu'un chiffon doux ou une serviette en papier. Rincez soigneusement et essuyez. Ne rangez jamais la Sirena sur son réservoir lorsque vous ne l'utilisez pas. Entretien du système. Il est fortement recommandé d'essuyer périodiquement toutes les surfaces de la Sirena. Retirez l'outil de séparation présent à l'intérieur comme ceci. Desserrez l'écrou et retirez le séparateur. Nettoyez le séparateur à l'aide de la brosse fournie pour remettre en place, bien aligner le séparateur. Et replacer l'écrou. Ne pas trop serrer et ranger l'outil à l'intérieur. Séchage du boyau. Attachez le boyau à l'entrée d'air. Retirez le couvercle du filtre EPA, insérez le tuyau et démarrez votre Sirena aussi longtemps que nécessaire. Entretien du filtre EPA. Rincez votre filtre EPA en enlevant le couvercle du filtre EPA. Ensuite, retirez les trois vis à l'aide d'un tournevis en croix. Une fois le filtre enlevé, rincez comme indiqué dans votre manuel d'instruction et laissez sécher au moins pour 24 heures. Votre filtre EPA doit être remplacé tous les 12 à 24 mois selon votre utilisation. Rangez le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation peut être facilement rangé à l'intérieur de la base comme indiqué. La fiche électrique peut être attachée au cordon. Entretien du rouleau motorisé. Retirez les débris accumulés ou remplacez une courroie en pressant simplement les languettes et en retirant la plaque de la base du rouleau motorisé. Retirez le rouleau et enlevez les débris comme ceci. Une courroie supplémentaire est fournie avec votre Sirena et est stockée ici. Réassemblez votre rouleau motorisé. Insérez le rouleau dans la direction indiquée. Soulevez la courroie
positionnez le rouleau et glissez-la en place. Le rouleau tourne facilement lorsqu'il est correctement inséré. Replacez la plaque sur la base. Félicitations! Et maintenant, profitez de votre Sirena pour une meilleure qualité de vie.